Bonsoir mes amis et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20h30, heure locale. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci mes frères et sœurs. Et également ceux et celles qui nous aiment tellement qu'ils ne peuvent pas, mes amis, s'empêcher de nous critiquer. Parce que grâce à leurs critiques, le message est de plus en plus connu. Que Dieu soit béni. Donc nous vous bénissons quand même parce que vous méritez. Et cette bénédiction, parce que vous faites un grand travail dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, pour ton évangile qui nous guérit, qui nous soigne au nom de Yeshua, notre maître. Nous te prions, Seigneur. Amen. On aime la guerre. Voilà. On aime la guerre. Vous savez, quand on est appelé à défendre la sainte doctrine, on aime la guerre. Pas de manière charnelle, mais la guerre spirituelle. Défendre l'évangile, c'est, mes amis, pas une mince affaire. Donc ce soir, nous allons parler. Hier, on a parlé d'abord du chaos au Congo RDC. Et ce soir, nous allons parler de l'Afrique. Cette semaine, en tout cas, le Seigneur nous a mis à cœur de vraiment beaucoup parler de sa grâce accordée aux Africains. On parlera aussi de la grâce du Seigneur accordée aux Européens, parce que, comme je vous le disais rapidement hier, l'Europe a, n'est-ce pas, donné au monde la première Bible imprimée. Donc c'est vraiment un continent que le Seigneur a particulièrement aussi béni. Des grands réveils ont eu lieu en Europe. Des grandes missions, notamment dans les nations, ont eu pour départ l'Europe. Donc on en parlera certainement la semaine prochaine pour aussi encourager nos frères et sœurs originaires de l'Europe. Bien évidemment, on parlera aussi des îles, parce que la Bible parle aussi des îles. Alors ce soir, nous allons parler sur l'Afrique, la destinée prophétique de l'Afrique. Quand on entend parler de l'Afrique, pour beaucoup de gens, c'est un pays. Je me rappelle, j'étais une fois aux Antilles, à Martinique, il y a peut-être 15 ans de cela, je parlais avec une jeune femme, et elle était convaincue que les Africains dorment sur les arbres. Et alors, c'est un choc pour moi. Et voilà, donc l'Afrique a une destinée prophétique. Le message de ce soir a pour but, justement, premier, d'élever le Seigneur qui a béni ce continent. Et deuxièmement, c'est d'éclairer ceux et celles qui ont une mauvaise connaissance de l'Afrique et les Africains, et notamment des prédicateurs, hommes ou femmes, des chrétiens originaires d'Afrique. Aussi, l'autre but, c'est aussi de dire aux frères et sœurs originaires de l'Afrique qu'ils ne doivent pas, ceux qui sont notamment à l'étranger, premièrement, ceux qui sont à l'étranger, dans la diaspora, c'est de dire à ces chrétiens de la diaspora qu'il ne faudrait pas qu'ils se comportent comme des réfugiés, mais il faudrait, surtout ceux qui croient en Jésus-Christ, bien sûr, essentiellement, il faudrait qu'ils se comportent comme des missionnaires. Et en tant que missionnaires, il faut qu'il y ait l'intégration, s'intégrer dans le pays où vous êtes établi, aimez ce pays, priez pour ce pays, priez pour ses autorités, respectez les lois de ce pays. Et aussi, ceux qui sont restés en Afrique et qui suivent les enseignements, c'est leur dire que l'Europe n'est pas le paradis, bien sûr, et qu'il ne faut pas, justement, en tant que missionnaire, en tant que prédicateur, en tant que chrétien, perdre sa grâce pour se retrouver dans un autre pays. Donc, au contraire, il faut se comporter comme un homme ou une femme que Dieu aime. Pourquoi? Parce que l'Afrique, la Bible parle de l'Afrique. Hein, on voit plusieurs mentions il y a plusieurs versets qui font allusion à l'Afrique. Donc, nous sommes ce soir avec des frères et sœurs qui sont venus pour participer à cette émission. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a eu tout à l'heure une émission en Lingala et il y aura d'autres émissions en Baoulé, en Bété, des langues comment dire, ivoiriennes. Il y aura aussi des émissions en néerlandais, dans plusieurs langues. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Parce que nous voulons, en arabe notamment, nous voulons de nouveau que l'évangile soit proclamé dans toutes les langues. Donc, on se laisse guider à chaque fois par le Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, d'abord, d'emblée, nous allons prendre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Alors, je ne sais pas si on peut nous trouver une carte, hein, donc je sais, je vais vous embêter un peu là. Carte de quatre fleuves
de Genèse. Donc si on peut taper juste les quatre fleuves de Genèse, tac, on cherche quelques images là, pour montrer un peu aux frères et sœurs comment c'était positionné. Donc dans Genèse chapitre 2, nous lisons à partir du verset et à partir du verset 9. Voilà. Donc et bah, tu peux nous faire la lecture. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc. Yahweh fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de la vie du bien, et l'arbre de la connaissance du bien, pardon, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui coule en entourant tout le pays de Cush. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers l'Assyrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Voilà. Alors vous avez cette carte là qui est là, qui va, on va se, ça va nous permettre un peu de, et je ne sais pas si vraiment cette carte est exacte, hein, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de la montrer là, et, hein, parce que il y a aussi des mauvaises informations qu'on a données aux gens concernant ces quatre fleuves. Et voilà. Donc c'est pas la bonne carte. C'est pas grave, donc on laisse tomber parce que de toute façon la plupart de ces cartes là sont ne sont pas bonnes. Et nous apprenons d'emblée, dès la Genèse, on nous parle de l'Afrique. C'est quand même impressionnant. Hein? Et dès la Genèse, vous allez voir, regardez, on nous dit au verset et au verset 9, Dieu va faire germer tout arbre désirable à la vue, bon et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. Voilà, donc ça c'est le premier fleuve. Et alors, selon certaines personnes, Pishon, c'est le Nil. Hein? Il y en a qui disent c'est le fleuve indien, je crois que c'est le Gange, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est vraiment le Nil, Pishom. Donc, et voilà. Et d'emblée, on nous parle du Nil. Hein? Ça, c'est des recherches qu'un juif, un juif, hein, donc un Israélite, a pu faire. Et il s'est rendu compte, effectivement, que Pishon, le premier fleuve, hein, fleuve dont il est question dans la Genèse ici, n'était rien d'autre que le fleuve du Nil, donc le Nil. Voilà, donc là, on sait où se trouve le Nil. Le Nil se trouve bien sûr en Afrique. Alors rassurez-vous, je ne suis pas de ceux qui vont, de ceux qui disent que Jésus-Christ était noir ou européen, ou c'est pas ça notre message. Voilà. Donc Dieu n'a pas de couleur et il est ni blanc, ni noir, ni africain, ni chocolat, ni marron. Il est esprit. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc Pishon, c'est le Nil, donc c'est le fleuve le plus long fleuve du monde, hein, c'est le Nil. Voilà. Donc et le Nil traverse aussi, si je ne me trompe pas, l'Éthiopie. Hein, je crois même que sa source c'est en Éthiopie. Donc on va essayer de nous trouver quand même l'image du fleuve Nil, hein, le Nil s'il vous plaît, et la source. Donc vous nous tapez source du Nil. Voilà. Et il est important, mes amis, que vous compreniez les Écritures. Il est important que nous comprenions notre identité en Christ et que nous comprenions aussi les Écritures pour ne pas, n'est-ce pas, se faire avoir par l'ennemi, également par les hommes. Parce que Dieu disait dans les Écritures, Dieu dit que son peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Voilà, donc le manque de connaissance n'est bon pour personne. Voilà, donc l'équipe va nous aider. Et ensuite, on nous dit c'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Le pays de Havila, pour beaucoup aussi, c'est l'Éthiopie. Hein? C'est l'Éthiopie. Donc on comprend que le Nil, n'est-ce pas? On comprend pourquoi le Nil a sa source en Éthiopie, tire sa source de sa source vient de l'Éthiopie. Et
en Éthiopie. Donc le pays de Avila, selon certains, c'est l'Éthiopie. Voilà. Donc, ça, c'est ce que certains disent. Et c'est quand même impressionnant. Hein? Donc, d'emblée, dans Genèse, on nous parle du Nil, on nous parle de Avila, on nous parle de l'Éthiopie. Et donc là, voilà, on a une carte ici du Nil. Et c'est trop petit. Donc, on va essayer de l'agrandir si c'est possible. Ah ben voilà. C'est pas lisible. Voilà. Alors, on a du mal un peu à lire là. C'est vrai que c'est là. Voilà. On va essayer de trouver d'autres cartes. Je vous donne beaucoup de boulot ce soir. Hein. C'est pas évident. Et les frères et sœurs sont connectés et ils aiment la parole. Ils veulent avoir ces informations-là pour bénir aussi le Seigneur parce que pour beaucoup, malheureusement, pour beaucoup d'Africains, ils pensent que la vie se résume à la demande d'asile ou à se tuer, vouloir traverser absolument, mes amis, la Méditerranée pour aller chercher la meilleure vie, la vie ailleurs, alors que nous avons, n'est-ce pas, d'abord des richesses que nous pouvons utiliser pour honorer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour bénir les autres, pour l'évangélisation, pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves. On peut aussi, mes amis, comprendre son identité en Christ, bien sûr, en Christ. Et aussi sa destinée prophétique en Christ. Ce que Dieu attend de nous. D'accord? Au nom de Yeshua. Et on verra aussi ce que Dieu attend des Européens, ce qu'il attend des Asiatiques, ce qu'il attend des Arabes. Tout ça là parce que c'est dans la Bible. Donc on va. Le Seigneur n'a laissé personne dehors. Personne. Gloire à Dieu. Et donc. Voilà, l'équipe continue à faire des recherches. Et on nous dit, il se trouve, dans ce pays-là, il y avait l'or. Hein, on sait que l'or se trouve aussi dans d'autres parties du monde, hein, il n'y a pas de problème. Mais on voit aussi beaucoup l'or en Afrique. Et voilà. Et alors, il faut comprendre aussi prophétiquement, quand la Bible parle de l'Égypte, elle fait allusion aussi, parfois, pas tout le temps, mais parfois à toute l'Afrique. Hein, donc. Voilà, donc c'est prophétiquement, quand on parle de l'Égypte, c'est aussi l'Afrique, d'accord? Le Midi, parfois. Donc on parle du Midi, le roi du Midi, par exemple, dont il est question dans Daniel 11. Donc il est question ici, bien sûr, de l'Afrique. Et parfois, quand on parle de l'Égypte, c'est que le pays, l'Égypte en tant que pays, mais parfois, c'est beaucoup plus large. Voilà. Donc, et là, on nous dit également que l'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Voilà. Et le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui coule en entourant le pays de Cush. Alors, il y en a effectivement qui pensent que Cush, c'est probablement, il est possible que ce soit une erreur de traduction selon certains. Il pourrait être question de la terre de Kashushu, située dans la région de l'ancienne Suse, où vécurent les Kassites. Mais je crois plutôt, mes amis, que Cush, c'est vraiment l'Éthiopie. Voilà. Pourquoi? Vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que, on va nous montrer rapidement. Voilà. Donc là, il y a la carte. Merci pour votre travail. Vous aurez la double portion ce soir, mes amis, au nom de Yeshua. Voilà. Alors, on pourra l'agrandir un tout petit peu, je pense, si c'est possible encore. Voilà, pour trouver l'Éthiopie quelque part. Donc là, voilà, l'Éthiopie est là. Merci. Donc, vous voyez, le Nil, logiquement, part de là. Donc, voilà, on ne trouve pas de traces là sur la carte, là. Il doit y avoir des indications là. Parce que j'ai suivi une fois un reportage où il y avait un conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte, parce que les Éthiopiens construisent présentement, je ne sais pas si c'est terminé déjà, un barrage. Voilà. Et ça allait causer beaucoup de problèmes aux Égyptiens, parce que l'Égypte est totalement, en tant que nation, est totalement dépendante du Nil, de ce fleuve. Voilà. Donc, et là. Le deuxième fleuve, nous dit la parole, est celui qui entoure le pays de Cush. Donc, vous voyez, c'est encore l'Afrique. C'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Les deux premiers fleuves de la Bible,
passe par l'Afrique. Donc, le pays de Cush. Cush veut dire quoi? Alors, on va aller, si c'est possible, les amis, aller voir Cush un peu là, sur le site de la BGC. Donc, on va aller voir, vérifier le mot hébreu, Cush, pour comprendre un peu la signification, l'étymologie de ce mot en hébreu, pour comprendre le sens même de ce mot, et pour la bonne compréhension aussi des frères et sœurs qui aiment la vérité, qui sont connectés ce soir. Voilà, donc le site de la BGC. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Si l'équipe technique a des soucis, on me fait signe. Voilà, merci. Alors, on va trouver on va aller voir le mot cuche là. Ou encore, on peut aller sur le lexique, hein. Cuche. Voilà. Donc là, on ne peut pas agrandir. Ah si, merci. Donc là, sur la droite de l'écran, de votre écran, vous avez bien sûr le texte massorétique, qui était des scribes juifs, ce qu'on appelle les textes aussi, les textes reçus. La cuche signifie, regardez bien, cuche égale black. Tout de suite. Donc voyez bien que le deuxième fleuve coulait dans le pays de noirs, de black. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord? Maintenant, on va aller dans les amis, on va aller dans le lexique biblique pour aller voir la racine de ce mot-là, pour la bonne compréhension des frères et sœurs, parce qu'il faut vraiment que cette parole soit comprise de tous au nom de Yeshua, notre Maître. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc le premier fleuve, c'est Pishon, et c'est le fleuve qui coule en entourant le pays de Havila. Donc Pishon, selon certains, c'est le Nil. Deuxième fleuve, c'est le fleuve, comment dire, le fleuve, voilà, c'est Guion, hein, Guion qui coule en entourant le pays de Cush, donc l'Afrique. Donc là, vous avez Cush, donc voilà, merci l'équipe. Donc, et là, la traduction, c'est l'Éthiopie. Noir, brûlé par le soleil. Et rappelez-vous bien la Sulamite, femme de Salomon, disait également qu'elle était noire, pardon. Elle était noire parce qu'elle était brûlée par le soleil. Et que ses amis, sa famille même l'avait rejetée. Donc, cette femme, la Sulamite, disait, hein, elle disait qu'elle était noire, tout ça. Et là, qu'est-ce que nous apprenons là? Cush, là, c'est l'Éthiopie. Noir, brûlé par le soleil. Voilà. Donc, vous le savez également que la plupart des Noirs sont en Afrique. Voilà. Et ensuite, on va aller voir la racine. Il n'y a pas de racine là. Ok, on verra ça tout à l'heure. Merci. Donc, voilà. Donc là, on est tous d'accord. Les textes hébraïques le confirment. Donc, c'est le deuxième fleuve. Entourer le pays de Noirs. Voilà. Donc, l'Afrique, l'Éthiopie notamment. Et qu'est-ce que nous apprenons encore? Donc, déjà, dès la Genèse, on voit hein, les deux premiers fleuves hein, qui passaient par l'Afrique. Voilà. Ça sortait de l'Éden pour arroser l'Afrique. Il y avait de l'or. Voilà. Et qu'est-ce que nous apprenons encore? Toujours dans Genèse. Nous sommes dans le lexique biblique, Genèse chapitre 12. Genèse 12, on va aller voir à partir du verset 6. Donc on va nous le lire là, c'est possible. Et Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem et jusqu'aux chênes de Moré. Ah, Genèse 10, pardon. À partir du verset 10, à verset 6. Et les fils de Cham furent Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Ok,
Donc, on va cliquer sur Kish. On va aller voir l'hébreu. Kush vient de, voilà, c'est toujours l'Éthiopie, hein, donc brûlé par le soleil. On revient. Et on nous dit que Kush et l'Éthiopie étaient, n'est-ce pas, le fils de Cam ou Cham. On va cliquer sur Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte. Voilà. L'Égypte, territoire des Coptes, terre de dépression. Voyez, donc là, on a aussi, dès Genèse 10, hein, nous avons l'Afrique. C'est l'Égypte, n'est-ce pas? Donc on a l'Éthiopie et on a l'Égypte. C'est deux pays à chaque fois. En fait, et comme je vous ai dit, hein, même quand on parle de l'Éthiopie, on fait aussi allusion à toute l'Afrique. Donc, vous avez vu, et regardez, mes amis, ce que Dieu dit dans Jérémie 38, verset 7. Jérémie 10, on va nous le lire. Jérémie chapitre 38, verset 7. Mais Abed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'il avait mis Jérémie dans cette fosse. Et le roi était assis à la porte de Benjamin. Ah pardon, Jérémie 13, 23. Voilà, c'est ça. Jérémie 13, 23. Pour vous montrer que les Éthiopiens, c'était vraiment... Hein, donc quand on parle de l'Éthiopie, là, c'est vraiment des gens qui avaient la peau noire. L'Éthiopien peut-il changer sa peau et les léopards ses taches? Ah, Dieu dit lui-même... L'Éthiopien, un Éthiopien, hein, l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Même si les Noirs veulent mettre des produits pour éclaircir, ils vont toujours redevenir noirs. Donc Dieu a raison. On acclame le Seigneur, mes amis. Vous voyez, tout est dans la Bible. Dieu savait que beaucoup de Noirs chercheraient à changer la peau, comme Michael Jackson. Il dit, mais on ne peut pas changer sa peau. Comme un léopard, vous ne pouvez pas demander à un léopard d'enlever ses taches. Il est né léopard. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, chers pasteurs africains, vous qui mettez des produits pour devenir plus clair que la lumière, alors il faut arrêter cette pratique-là, parce que vous allez avoir des problèmes de santé, et ce n'est pas correct. Voilà. Dieu dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Parce que les Éthiopiens sont des Noirs. Les Africains sont des Noirs, donc à cette époque, donc, vous voyez, c'est... Bon, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hein, donc je veux dire, aujourd'hui, vous avez des Africains de toutes sortes, hein, donc voilà, parce que le monde a eu un bouleversement, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, on est tous peuple de la terre, donc on n'est pas là pour élever une race, pour élever les Blancs, les Noirs, tout ça, ce n'est pas mon message, comprenez le message que Dieu nous a confié, c'est juste pour nous montrer qu'il y a des réalités spirituelles auxquelles nous faisons face. Et beaucoup, malheureusement, n'en étaient pas conscients. Et Dieu nous permet aujourd'hui de découvrir certaines vérités qui étaient aussi cachées. Voilà. Donc, on voit, comme je vous ai dit, hein, dès la Genèse, les deux premiers fleuves passaient par l'Afrique. Hein, donc, et ensuite, on voit que les enfants de Cam ou Cham, fils de Noé, c'était l'Éthiopie, c'était l'Égypte, voilà. Voilà. Et c'est-à-dire Cam, c'est là que justement il y a eu peut-être à partir de Noé, il y a peut-être plusieurs coloris, plusieurs pigmentations, plusieurs races, tout ça. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on apprend également là dans Genèse toujours là, le chapitre 10. Genèse 10, à partir du verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. Cush engendra aussi Nimrod ou Némerod. Alors on va cliquer sur Némerod. Rebelle. Alors, il y a eu un problème de rébellion en Afrique.
Vous comprenez pourquoi même dans nos églises, il y a tout le temps des rebelles. Pourquoi? Eh bien, il y a un problème, c'est que le premier roi, le premier empereur, parce que Nemrod, c'est le premier empereur de l'histoire de la Bible. La première fois, pour votre information, dans la Bible, où on a parlé de quelqu'un qui régnait, qui dirigeait, qui dominait, sur plusieurs cités-états, on appelait ça les cités-états, c'était des petites villes qui étaient comme des petits royaumes. Il y avait quelqu'un qui dirigeait ce royaume-là, c'était un Africain du nom de Nimrod. Et on nous dit qu'il était le fils de Cush, c'est-à-dire c'était un Éthiopien, un Africain. Et on nous dit qu'il était, hein, n'est-ce pas, et un chasseur puissant devant Dieu. C'est-à-dire, selon certains, ils disent que c'était un sataniste et tout ça. Là. Bon, ce n'est pas vraiment écrit, mais ça, c'est des suppositions. On nous dit que c'était un grand chasseur devant Yahweh. Et c'était un rebelle. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui n'a pas servi le Seigneur. Et donc, effectivement, on comprend pourquoi, hein, en Afrique, il y a toujours de la rébellion. Toujours. Parce que c'est quelque chose qui mine l'Afrique. Et c'est ça, un des problèmes qui pose problème aux Africains. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, ne sont pas rebelles, mais moi je ne fais que dire ce que tu écris. Voilà, rébellion. Hein, rébellion, pardon. Rébellion, c'est... Voilà, Nemrod, c'est le premier roi de l'histoire de la Bible. Qu'est-ce que vous en pensez un peu, mes amis, vous qui êtes là, là? Hmm? Mon frère Atas qui est là-bas. Là. Ah là là, c'est... Waouh. C'est des découvertes? C'est... C'est-à-dire que... Là, ça me ramène un peu à... Est-ce que tu peux te lever parce qu'on ne te voit pas? Ah oui. Ben, merci. C'est-à-dire que ça nous ramène plus loin et juste à nous poser la question pour dire, on sait que la parole de Dieu n'a pas changé. Si c'est vraiment, c'est le Père. Parce qu'aujourd'hui, je me posais vraiment la question de dire, mais qui est le Père? Parce que tout découle de lui. Mmh. Et si aujourd'hui, si on comprend, donc celui qui comprend, celui qui cherche le salut, parce que le salut est personnel, donc il va, avec ce message, avec cette parole, donc je dois me mettre à dire, s'il n'y a pas encore en moi cette racine, ou cette malédiction, ou cet esprit. Parce que s'il y a toujours la rébellion et qu'on n'est pas libéré, on ne peut pas voir le royaume des dieux. Ah ben c'est sûr que non. Et si j'ai hérité, donc je vais continuer à transmettre, donc il y a un vrai travail. Mm-hmm. Il y a un vrai travail. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de rébellions, comme je vous dis, hein, la rébellion, là, oui. c'est ce qui mine aussi l'Afrique. Et ça vient certainement de cet homme. Ce n'est pas la malédiction de Cham, parce que Cham n'a pas été maudit par Noé. C'est son petit-fils, Canaan, qui a été maudit. C'est-à-dire, ce sont les Canaan, ça a donné plus tard le pays de la Palestine. Hein. Donc, cette zone-là. Voilà. Donc, mais en tout cas, la rébellion, ça c'est sûr que l'ancêtre des Africains ici, Nemrod, le premier roi de l'histoire de la Bible, était un noir. Et c'était un rebelle. Un rebelle. Et qu'est-ce qu'on disait de lui? On disait, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc vous voyez, il commençait à être puissant. Donc à l'époque, pour votre information, les Africains étaient très puissants. Parce que beaucoup d'Africains se disent, mais pourquoi l'Afrique est dans cet état? Pourquoi on a autant de problèmes? Mais pourtant la Bible nous dit que ceux qui étaient premièrement puissants, c'était les Africains. Donc c'est comme si la roue tourne. Aujourd'hui, quand on parle des royaumes les plus, des pays les plus puissants, on parle des États-Unis, on parle de la France, on parle de l'Italie, mais à l'époque, c'était l'Afrique. Donc la roue tourne. Et c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Qu'est-ce que vous en pensez un peu quand vous apprenez tout ça là? Moi, j'avais d'abord juste une question. Parce que je revenais un peu sur, le micro. Je revenais sur Jérémie 13, 23 qu'on a lu tout à l'heure. Mm-hmm. Et la deuxième partie qui dit, pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Mm-hmm. Je me dis, dans ces cas, notre combat sera plus, le combat doit être plus
le peuple, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus faire le bien. En fait, là, quand Dieu parle comme ça, il parle aux Juifs maintenant, là, quand il dit que vous êtes accoutumés à faire le mal. Ah, ok. Voilà. Ok, là c'est mieux. Quand... Mais aujourd'hui, grâce au sang de Jésus-Christ, on peut être transformé. Amen. Que l'on soit noir, blanc, juif, arabe, métis, indien, chinois, peu importe. Parce que normalement, il y a des gens qu'on voit, malgré le message, malgré la parole, je parle beaucoup surtout à ceux qui sont dirigeants, responsables, disent que c'est comme s'ils n'ont plus, d'oreilles, ils n'entendent plus. Parce qu'ils sont ils ne sont pas de Dieu. Voilà, c'est pour ça que je me posais la question, si ces gens, un jour, ils peuvent faire le bien. Ah ben, c'est sûr que ce passage-là, quand Dieu dit pouvez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, ce passage-là, bien qu'étant originalement utilisé au début utilisé par Dieu pour les Juifs, mais on peut aussi l'utiliser pour les autres, hein, c'est sûr, hein, pour l'homme en général, quelles que soient ses origines, parce que nous étions tous sous l'empire du mal. Donc là, vous apprenez ici que l'Afrique, les Africains étaient premièrement puissants. C'était les premiers à être puissants. Némorod, l'Éthiopie notamment. L'Éthiopie. Et vous allez voir tout à l'heure comment. Hein, vous allez voir que l'armée qui avait plus de soldats dans la Bible, c'était l'armée éthiopienne. Est-ce que vous le savez ça? Prenons par exemple la Bible. Hein, on va revenir sur Némorod. Mais vous allez voir, on nous dit que c'est Némorod, donc l'Éthiopien là, cet Africain qui était le premier homme à être puissant dans les Écritures. Regardez dans 2 Chroniques 14, 8. 2 Chroniques chapitre 14, verset 8. On va nous faire la lecture là-bas, à partir du verset 8. Donc, c'est bon. Mais Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et de 300 chars. Ok. On nous parle de Zérach, hein, ou Zérach. Zérach, l'Éthiopien, c'était un grand roi. Et il sort contre les Juifs avec une armée de combien de personnes? Un million d'hommes. Vous vous rendez compte, l'Éthiopie était le pays le plus puissant à l'époque. Sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan organisation, et c'était l'Afrique. Un million de soldats ont quitté l'Afrique, de militaires, pour aller combattre contre Israël. Regardez le verset 7. On peut mettre en mode nuit. Hein. Voilà. Parfait. Mode nuit. Parfait. Or, Asa avait son armée. Hein? Or, Asa avait dans son armée 300 000 hommes de Juda portant le grand bouclier et la lance et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants guerriers. Mais Zérach, vous voyez le mail là, mais Zérach, l'Éthiopien, l'Africain, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et de 300 chars. Et il vint jusqu'à Maréchal, c'est loin. Donc, 300 chars. Que Israël, à cette époque, n'avait même pas ça. Vous vous rendez compte? Et on comprend pourquoi les Écritures nous disent que Némorod, le premier homme de la Bible à être puissant, donc c'est un Africain, un noir, et on nous dit qu'il avait, vous avez vu, il a tellement formé son peuple que Zérach, son descendant, des années après lui, hein, après Némorod, ben, il avait cette capacité d'entraîner cette grande armée pour livrer des grandes batailles. Vous vous rendez compte? Regardez dans 2 Rois, chapitre 19, le verset 9. 2 Rois, chapitre 19, le verset 9. Le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. Et on lui dit, voici, il est sorti pour te combattre. C'est pourquoi le roi d'Assyrie retourna dans son pays, mais il envoya des messagers à Ézéchias en leur disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, et lui direz, que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en te disant, Jérusalem ne sera point livrée entre les mains du roi d'Assyrie.
Voilà. Donc là, on apprend qu'un autre roi, quel est son nom là? Tiraka. Ah, Tiraka, roi d'Éthiopie, sort pour aller combattre les Assyriens. Donc, ils étaient capables d'aller partout pour attaquer les Africains. C'est terrible, mes amis. Hein? C'est des choses que beaucoup ne connaissaient pas. Qui ne connaissait pas ces choses-là? Voilà l'évangile. Au lieu de nous enseigner sur l'histoire de l'Afrique et de la Bible, vous avez vu que Dieu aime aussi l'Afrique. Vous voyez, mes amis? C'est terrible, hein? Donc, la plus grande armée à l'époque, ce n'était même pas l'armée américaine. L'Amérique n'existait même pas. Ce n'était même pas l'armée européenne, ce n'était même pas les casques bleus. C'était l'armée africaine, mes amis. C'est pour cela que les Africains doivent connaître leur histoire. C'est important. C'est capital, mes amis. C'est capital. Et savoir d'où l'on vient et où l'on va, grâce à l'évangile, tout est dans la Bible. Et notre identité, bien sûr, se trouve en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça doit nous amener encore plus à l'humilité, plus à bénir le Seigneur, parce que bon, la roue tourne. Hein. Question, voilà. En parlant de, les Africains doivent connaître l'histoire. En fait, je voudrais juste dire la bonne histoire, parce que j'ai déjà entendu une histoire un peu réciproque. Et dans ça, en fait, moi, on m'a plus interprété. Et on m'a parlé comme quoi l'Afrique était fort à l'époque. Mais dans ça, en fait, les gens qui m'expliquaient ça, ils condamnaient Dieu. Ils disaient en fait que Dieu n'aimait pas les Noirs et tout ça, parce qu'avant on était puissants, et il a tout fait en fait pour, par exemple, changer les choses, que les Blancs prennent le pouvoir. Et en fait, on m'expliquait ça, et même en moi, en fait, ça, j'avais de l'irritation, parce que je me disais, ouais, mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que... Ça, c'est des gens qui ne comprennent pas les Écritures, hein, malheureusement. Et on prie que le Seigneur les aide. Et de toute façon, aujourd'hui, le pouvoir n'est même pas entre les mains des Européens ou de qui que ce soit. C'est l'ennemi qui gère. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Donc c'est le gouvernement mondial. Donc c'est l'Antichrist. Et c'est le diable, hein, qui a donné le pouvoir à son trône, comme la parole le dit, à l'Antichrist. Voilà. Mais c'est sûr que nous sommes d'accord quand même qu'il y a des multinationales occidentales qui gèrent le monde aujourd'hui. Mais et vous savez... Et la parole dit aussi que les premiers seront les derniers, hein. Les derniers seront les premiers. Donc c'est pas Dieu qui a la base de ça. C'est que quand on vous confie une responsabilité et que vous gérez mal, ce que tu sèmes, tu récoltes, hein. Donc voilà. Et eux, à l'époque, l'Afrique avec cette puissance-là, il y a aussi beaucoup de mal qu'on a aussi, que nos ancêtres aussi, comme là Némorod a fait beaucoup de dégâts aussi, hein. Mais sans prendre en compte surtout l'aspect de la rébellion en fait. Voilà, donc il y avait beaucoup de rébellions, déjà vis-à-vis du Seigneur. Donc, son nom signifie rebelle. Donc voilà, donc, là, on ne peut pas, n'est-ce pas, se maintenir dans le règne avec, en étant rebelle vis-à-vis de celui qui établit les rois, donc c'est-à-dire Dieu. D'accord. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs, on voit que le monde est en train d'être géré aussi par la Chine. Donc ça passe de l'Europe des États-Unis en Chine, parce que la Chine est devenue, même si on ne veut pas le dire publiquement, beaucoup n'osent pas le dire, mais c'est le cas, la Chine devient la première puissance économique, hein, de la Terre. Voilà, donc ouais, ça change. Voilà. Donc, mais l'objectif, ce n'est pas de savoir qui dirige, qui est puissant, qui ne l'est pas. Nous sommes tous en Christ, puissants, hein, parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, nous dit la parole. Donc nous sommes tous en Christ, restaurés, quelles que soient nos origines. Donc l'enseignement de ce soir, c'est juste pour nous montrer que Dieu est juste, que Dieu aime tout le monde. Voilà, que les Africains qui pensent qu'ils ont été maudits, tout ça, parce qu'il y a des faux enseignements qui sont apportés, c'est mes frères africains comprennent que non, Dieu a aussi un projet pour l'Afrique, comme il a un projet pour l'Europe, pour la Chine, pour l'Asie, pour les îles, tout ça là. Donc on parlera aussi des îles, hein, pour les frères et sœurs qui sont retrouvés dans les îles, déportés, et qui se disent certainement nous avons été vendus, c'est pas normal, tout ça, alors que Dieu parle des îles, on parlera de tout ça là. Gloire à Dieu. Alors, mes amis, et donc on apprend beaucoup, hein, ce soir. Hein. Alors nous sommes toujours dans les Écritures, et nous sommes dans... Et dans le livre de
Genèse. On est toujours dans Genèse, chapitre 12. D'abord, regardez dans Genèse 10, pardon. Merci Seigneur pour ta parole. Genèse 10, regardez. On nous dit au verset 9, il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit comme Némorod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. C'est-à-dire, il régnait de l'Éthiopie jusqu'à Babylone. Un grand empire. Vous vous rendez compte? Donc, donc, on nous dit qu'il régnait dans... On sait ce qu'il a fait, hein, ensuite. C'est lui, le noir, l'Africain, l'Éthiopien, qui va être l'instigateur de la vision de la construction de la tour de Babel. Vous vous rendez compte? La vision pyramidale, ça vient de d'un Africain. Mes amis. C'est-à-dire, c'est un Africain qui a inspiré aux Américains, hein, la pyramide que l'on voit sur le billet de 1 dollar. C'est un Africain qui a donné cette vision aux Américains. Vous vous rendez compte? C'est Némérode. Ça va loin. Parce que la tour de Babel, là, c'est lui qui a dit aux gens, Dieu veut qu'on soit dispersés, unissons-nous, bâtissons une tour dont le sommet toucherait au ciel. La tour, là, en hébreu, c'est Ziggoura. C'était des édifices religieux. Ils voulaient narguer Dieu. Ils voulaient combattre à Dieu. C'est terrible, hein? Terrible, mes amis. Et c'est lui, c'est lui. C'est un Éthiopien. C'est lui. Et il a régné sur Babylone, il a régné sur Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, sorti Assur. Assur, c'est la Syrie. C'est-à-dire, même jusqu'en Assyrie, là-bas, la Syrie où il y a Bachar, là-bas aussi, Némorod avait son influence. Vous vous rendez compte? C'est terrible, mes amis. Ça va loin. Et il bâtit Ninive. C'est-à-dire même Ninive, là, tout ça, là. C'est-à-dire, c'est parce que la Syrie, Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Donc, Ninive, c'était... Et les rues de la ville, Rehoboth-Ir et Calad. Et Resen entre Ninive et Calad, qui est une grande ville. Vous vous rendez compte? C'est terrible, la descendance de Cam. Vous voyez? C'est un grand roi, Némorod. Un grand empereur. C'est le premier de l'histoire de la Bible. Il me semble dans Genèse chapitre 13. Qu'est-ce que nous apprenons ici, mes amis? Regardez bien. Dans Genèse 13. D'abord, Genèse 10, à partir du verset. Genèse 12, à partir du verset 10. Là, on commence à rentrer dans le message encore. Là. On commence à rentrer dans le message. Là. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. L'Afrique, c'est quand on parle de l'Égypte aussi, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique a toujours été une terre d'asile. Donc il fut un temps où les Africains n'allaient pas demander l'asile ailleurs. C'était les autres qui allaient chez eux pour trouver à manger. Oui, mes amis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc la roue tourne. Il est important que les Africains connaissent ces réalités-là. Que le monde entier connaisse ces réalités-là. Qui ne connaissait pas ces choses-là? Ben voilà. Il y avait la famine où il y avait Abraham. Il apprend qu'en Afrique, il y a des grandes armées. Il y a la nourriture à gogo. Tout. Il y a l'or, il y a l'argent, tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est parti demander l'asile là-bas. Allons dans la lecture. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une fort belle femme. C'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est la femme de cet homme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. » Dis donc, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que par ton moyen, ma vie soit préservée. Il arriva que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il en eut des brebis, des bœufs, des bœufs
des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Ah ! Vous voyez, Abraham est allé demander l'asile en Afrique parce qu'il y avait la famine chez lui, dans son pays. Et la Bible nous dit, il dit à sa femme, tu es très belle. Quand on va arriver là-bas, il faudrait qu'on l'on trouve un petit, on va faire des combines, un petit arrangement, on va négocier. Ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Et qu'est-ce que les Africains font quand ils demandent l'asile ici en Europe ou en Occident? Ils mentent. On acclame le Seigneur pour sa parole, mes amis. Voilà. Hein? Quand ils arrivent, ils changent les papiers. On est tous. Vous savez, c'est que Dieu, mes amis, l'histoire est comme une roue qui tourne. Oh Dieu, sauve-nous. Voilà. Les sœurs deviennent des femmes de leurs frères. Les petites filles deviennent les fils ou les filles. Hein, c'est la même chose que Abraham a faite pour demander l'asile. Il se dit, pour que je sois bien traité, négocions. Changeons un peu notre identité. Nous ne sommes plus mariés, mais nous sommes frères et sœurs pour avoir l'asile. Elle arrive là-bas, il a eu l'asile. Il a eu la carte de résident. Et il a eu des brebis, des bœufs, il a eu des ânesses, même des serviteurs et des servantes. Dis à ton voisin, tout est dans la Bible. Qui est choqué? Mais Dieu n'aime pas cela. Le verset 17 nous dit que « Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. » Alors Pharaon appela Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » car je l'avais prise pour ma femme. » Frère, Pharaon l'avait prise pour sa femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça, on ne dit pas trop, les gens, les théologiens disent, oh, il ne faut pas trop parler là-dessus parce que quand même, un Africain qui a couché avec la femme d'Abraham, il a dit, je l'ai prise. Ça veut dire quoi? On sait ce que c'est, hein? Eh bien, c'est que Pharaon a couché avec Sarai. Voilà. C'est chaud. Ben oui. Ben oui, c'est pour ça que Dieu l'a frappé. Ben oui, David. Ce passage-là, on ne veut pas trop rester dessus. On va dire, ah, le père de la foi. Ben oui. Alléluia. Car je l'avais prise pour ma femme. Quand un homme prend quelqu'un pour sa femme, ça veut dire quoi? Hein? Oui, question? Oui, en fait, mais Pharaon, il n'était pas au courant. Pharaon n'était pas au courant. Mais pourquoi Dieu l'avait frappé? Mais pourquoi Dieu l'a frappé? Ben, le péché, c'est le péché. Mais pourquoi il n'avait pas frappé Abraham alors? Pourquoi elle n'a pas frappé Abraham? Oui. Eh bien, t'inquiète pas, Abraham aussi a été quand même un peu... On va voir ça. D'abord, sa femme est partie avec quelqu'un d'autre. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de correct. Hein. Mais après, Dieu ne dit pas, j'ai pas permis que tu la touches à Pharaon. Comment? Il n'a pas dit à un moment, oui, voilà. Ça, c'est Isaac. Ça, c'est Isaac, dans Genèse 26, on va le lire. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, regardez ici. Pharaon dit, car je l'avais prise pour ma femme. Mais maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Donc, il avait déjà prise Sarah chez lui. Ben oui. Et vous savez, les Africains à l'époque, mes amis, même aujourd'hui, c'est des coureurs de jupons, un peu en plus. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas que les Africains. Attention, hein, comprenons le message, parce que je sais que beaucoup sont là, ils se disent, frère, il y a toujours l'équilibre. C'est tous les hommes aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Et Pharaon ayant donné ordre à ses gens, ils le renvoyèrent, lui, sa femme et tout ce qui lui était à lui. Verset chapitre 13. Ils ont été chassés, expulsés, interdits de séjour en Afrique. Donc, c'est ce qui se passe également quand les Africains sont pris, mis dans l'avion, rapatriés au pays. C'est ce que les Africains faisaient aussi aux gens à l'époque. Ben oui.
Abraham a été rapatrié, refoulé. Qu'est-ce qui se passe? Chapitre 13, verset 1er. Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Il a eu où sa richesse là? La richesse d'Abraham vient d'Afrique. Venait d'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. D'un seul coup, voilà quelqu'un qui est parti pauvre, quelqu'un qui est parti, qui sort d'un pays où il y avait la famine, il part en Afrique, il revient de là riche. Qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de gouvernants occidentaux quand ils partent en Afrique, mes amis? Je vais vous dire, ils reviennent ici avec quoi? La richesse. Hein? Bokassa, vous connaissez l'histoire de Bokassa, les diamants de Bokassa, il a enrichi un ex-président français. Il y a des vérités que l'on cache aux gens. Ils vont chercher leur argent pour faire des campagnes ici et là-bas en Afrique. Je vous dis, il y a du liquide. Que Dieu nous aide, mes amis. C'est des vérités que beaucoup ne connaissent pas. Abraham revient de l'Afrique, il devient riche. Voilà. Il devient riche en troupeau. Donc il y a beaucoup de troupeaux là-bas. En or et en argent. L'or là. C'est là-bas. Alléluia. Mes amis. Et on continue. Vous voulez qu'on continue ou pas là? On continue? Voilà. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle, mes amis. Qui a été utilisé par Dieu pour libérer les enfants d'Israël? Quel est son nom? Non, j'entends pas bien, il faut parler avec dans le micro là. Les gens ne t'entendent pas. Moïse. Qui est d'accord que c'est Moïse? Eh bien, Moïse était un Africain. Vous n'êtes pas d'accord? Ben, il est né où? Il est né en Afrique. Alléluia. Amen. Et la nation d'Israël, en tant que nation, cette nation est née où? En Afrique. Donc, Israël, là, a ses origines en Afrique. Parce que tous ceux qui sont arrivés en Afrique là-bas, Joseph, tous étaient morts, Jacob, tous étaient morts. Et la Bible nous dit, que, regardez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc ça veut dire qu'un vrai juif doit aimer aussi les Africains. Parce que ce sont ses ancêtres. Alléluia. Regardez. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte. Pourquoi? Il y avait la famine. Ils sont allés se réfugier où? Demander l'asile. Ils sont allés demander l'asile où? En Afrique. On est d'accord, hein? Et là-bas, regardez bien. On cite leurs noms. Ils y entrèrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Toutes les personnes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Tout le monde était mort. Les enfants d'Israël fructifièrent et s'accrurent abondamment et se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants de sorte que le pays en fut rempli. Ils ont rempli le pays d'Afrique, l'Afrique. Donc ils sont nés en Afrique. Ils sont nés en Afrique. Vous voyez? Depuis se leva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait point connu Joseph. Voilà. Donc ils sont nés en Afrique. Et nous sommes dans le chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfantant un fils, voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche de jonc et l'enduisit de bitume et de poids, mit l'enfant dedans et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière, et ayant vu le coffre au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour le prendre. Et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant, et voici l'enfant pleurer. Elle en fut touchée de compassion et dit, c'est un des enfants de ces Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, irais-je appeler une femme d'entre les Hébreux pour l'allaiter? Et elle l'allaita, et elle t'allaitera cet enfant. La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita.
Et quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse parce que, dit-elle, je le tirai des eaux. Le nom de Moïse, là, Moshe, c'est une Africaine qui l'a donné. C'est-à-dire, elle a donné une carte d'identité à cet enfant d'immigré qui était né en Afrique et qui était africain. C'est pour cela, mes amis, là, il faut connaître l'histoire. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Hmm? Alléluia. Amen. Autre information. Éphraïm et Manassé étaient enfants de qui? Joseph. Qui est d'accord? Et Joseph avait épousé qui? Une Africaine. Hein? La fille d'un prêtre africain. Et cet enfant, cette fille a eu deux enfants avec Joseph. Éphraïm et Manassé. C'était des métis, c'était des Africains. Donc, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait deux tribus qui étaient, mes amis, d'Africains. Et Josué, le successeur de Moïse, Yéhoshua, exactement, littéralement, était originaire, était descendant d'Éphraïm. C'est-à-dire, il avait du sang africain. Et c'est lui qui a fait entrer Israël dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Un Africain. Question? Là, ce soir, là, je crois que ça chamboule un peu. Là. Mais Abraham, il est sorti en gros de... Le micro, hein? Il est sorti... C'est allumé le micro, là? Oui. Il est sorti de Babylone. Abraham est sorti de la Mésopotamie. Oui. Et on a vu que c'était... Nimrod qui gérait là-bas. Nimrod qui gérait... Qui était Nimrod. Qui était lui aussi africain. Donc Abraham aussi était africain. Ça, c'est pas dit. Mais une chose est sûre, comme Abraham était à Nimrod, était à Babylone, là où régnait... l'Éthiopien, là, l'Africain, certainement, Abraham était dirigé par, avec comme roi, Nimrod. Donc, maintenant, ça, c'est Dieu seul qui sait. De quelle couleur il était. Ce n'est pas le message de ce soir. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de vérités qui sont cachées. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, déformées. Tout ça, là, donc, le père de la foi était dirigé à l'époque par un roi du nom de Nimrod, un Éthiopien. Parce que c'est lui qui gérait, qui dirigeait Babel. Or, Dieu dit à Abraham, sors de la Mésopotamie. Hein? Donc, c'est la Babylonie, hein? C'est tout ça là. Donc, ouais, tout est dans ce livre. Voilà. Maintenant, mes amis, on continue la lecture. Donc, vous avez compris que deux tribus d'Israël étaient, parmi les deux tribus, les 12 tribus, il y avait deux tribus, Manassé et Éphraïm, qui étaient bien sûr des métis, hein? Donc des mélangés, hébreux et africains, parce que leur mère était africaine. Égyptienne. Et ça, c'est des informations qu'il faut savoir. C'est important de le savoir. Et pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que Dieu n'a pas rejeté une race. Dieu n'a rien rejeté, n'a rejeté personne. D'ailleurs, quand on comprend mieux ce message, on réalise qu'en fait, Dieu aime tous les hommes. Que c'est un père. Vous voyez? Il aime aussi bien les juifs que les arabes. Il aime aussi bien les noirs que les blancs. Aussi bien les métis que les autres, parce que les métis qui se sentent rejetés aujourd'hui par certains blancs et par certains noirs, ils doivent comprendre qu'en Israël, il y avait deux tribus de métis, Éphraïm et Manassé, hébreux et africains. Hein? Deux passeports, hein? Double nationalité. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur, mes amis. Voyez, donc Dieu a prévu tout ça, tant que les métis ne se sentent pas rejetés, parce qu'ils sont aussi prévus, Dieu a prévu de sauver les métis dans la Bible. Amen. Voilà, il a dit, vous les métis, l'Africain là, africano et hébraïque, en Israël, vous faites partie. Toi, Josué, successeur de Moïse, un Africain, né en Afrique, Moïse, Josué né en Afrique. En plus, il a reçu, Éphraïm a reçu la bénédiction de Jacob avant de mourir, mes amis. C'est-à-dire, Jacob a transmis sa bénédiction aux Africains. Parce qu'il a béni Manassé et il a béni Éphraïm. Deux enfants africains, métis, ont reçu la bénédiction d'Abraham. Et qui vous dit que les Noirs sont maudits? Alors que la Bible dit qu'Abraham, qui est venu longtemps après Noé,
mes amis, qui a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob, avant de mourir dans Genèse 40, la Genèse là-bas, il a transmis la bénédiction abrahamique aux Africains. Vous voulez qu'on le lise là ou c'est compris là, c'est... Hmm? On le lit? Pour ne pas dire que le frère raconte des histoires. Hein? Ceux qui disent que les Africains sont maudits, ben, ils n'ont pas compris la parole. Hein? Nous, on vous montre par la Bible que les Africains ont reçu la bénédiction d'Abraham. Mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon? Amen. Dieu nous aime? Amen. Alléluia. Alors nous sommes dans Genèse, chapitre 48. Or il arriva après ces choses que l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici Joseph, ton fils, qui vient vers toi. Alors Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Puis Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Et il m'a dit, voici, je te ferai croître et multiplier, et je te ferai devenir une assemblée de peuples. Et je donnerai ce pays en possession perpétuelle à ta postérité après toi. Maintenant, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Vous vous rendez compte? Jacob dit que ces deux Africains lui appartiennent. Jacob n'était pas raciste. Donc un juif qui est raciste n'a rien compris. Parce que leur père, il n'était pas raciste. Il a dit carrément que ces deux Africains métis là sont à lui. Mes amis, regardez bien. C'est fort, hein? C'est fort. Et regardez ce que Jacob dit. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Et il a positionné les deux Africains. Il les a mis au même niveau que son fils aîné. Ruben et Siméon aussi. Même niveau. Ça, c'est le père qui dit aux uns et aux autres, aux rejetés, je vous aime autant que les autres. Ruben était hébreu. Siméon était hébreu. Et Dieu dit, ces noirs là, ils sont pareils. Donc, mes amis, quand Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, qu'on ne vous dise pas qu'il y a un peuple qui est au-dessus des autres, qui est supérieur aux autres, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la parole que nous prêchons, mes amis. Ouh, Seigneur, merci pour ta parole. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi. Et ils seront appelés selon le nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Regardez, au verset 12. Et Joseph, verset 8. Puis Israël vit les fils de Joseph et il dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et il dit, amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Dis à ton voisin, bénédiction. Bénédiction. Or, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir. Et il les fit approcher de lui, les embrassa et les prit dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici, Dieu m'a fait voir, hein, et toi et ta postérité. Et Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna le visage contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse qui? Ses enfants. Ben alors, mes amis. Dieu a béni ces enfants-là. Dieu a béni ce peuple. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance comme les poissons au milieu du pays. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc vous avez vu, hein? Voilà.
autre chose, mes amis. Moïse, un Africain né en Afrique, Africain d'origine hébraïque, mais né en Afrique, donc c'est un Africain. Mes amis, toute cette nation, qu'est-ce que Moïse va faire? Eh bien, il va prendre une femme africaine. Nombre 12. Nombre chapitre 12. Verset 1er, quelqu'un peut le lire là? Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ah, Moïse a pris une femme africaine. Aaron dit, mais comment toi tu peux épouser une femme africaine? Aaron et Myriam. Peut-être qu'ils étaient, on est humains, hein, mes amis, là. Peut-être qu'ils étaient racistes. Peut-être, c'est une supposition. Mais Dieu dit, comment? Non, notre Père céleste n'est pas raciste. Pas du tout. Pas du tout. Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Le fondateur du judaïsme biblique a pris une femme noire éthiopienne. Mes amis, son frère et sa sœur ont dit non. Dieu frappe. Voyez, Marie, la lèpre, c'est toujours enfermée. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Amen. Dieu est magnifique, mes amis. Dieu est magnifique. Magnifique. La reine de Séba, une femme. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on dit, on parle à la femme africaine, les gens pensent que la femme africaine, aujourd'hui, on lui demande de se taire, il faut la museler, sa place est dans la cuisine. Mais ma Bible me dit que, mes amis, à l'époque de Salomon, il y avait une femme noire, africaine, éthiopienne, qui était reine. Qui gouvernait tout un pays. Une femme noire. Vous vous rendez compte? Elle entend parler de la sagesse de Salomon. Elle est venue d'Afrique avec quoi? Hein? La richesse. Vous savez, quand on parle d'Afrique, on pense, il y a la souffrance là-bas, la galère. Mes amis, non. Les Écritures, ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aussi qui sont déformées. Seigneur, sauve-nous. Est-ce que ça vous intéresse tout ça là? Nous sommes dans 2 Chroniques 9. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? À partir du verset 1er. Or, la reine de Séba, ayant appris la renommée de Salomon, vint à Jérusalem pour éprouver Salomon par des énigmes. Pour éprouver une femme noire africaine, quitte l'Afrique pour aller éprouver un grand roi. On continue. Elle avait une suite très nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Les aromates. Et il y avait quoi? Des pierres précieuses. Des pierres précieuses, il y en a beaucoup en Afrique. De l'or, comme dans Genèse 2 le dit, hein, avec les deux fleuves là, mes amis. Et elle arrive à Jérusalem et elle a rencontré Salomon. Elle était étonnée de voir cette grande sagesse que Dieu avait donnée à cet homme. Oh Seigneur, la reine de Séba. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 12? Regardez bien. Matthieu 12, 42. La reine du Midi, c'est-à-dire la reine de Séba. Hein? La reine du Midi, parce que l'Éthiopie ou l'Égypte sont aussi identifiés comme étant, sont aussi nommés Midi. Voilà. La reine du Midi se levera au jour du jugement contre cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Donc ça veut dire que la reine du Midi, la reine de Séba, sera ressuscitée pour condamner la génération des Juifs qui a rejeté cette génération, Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? C'est terrible. Parce que ça veut dire que le Seigneur nous fait comprendre ici que cette reine était sauvée. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle a rencontré le Dieu d'Abraham. C'est terrible. Donc quand elle a rencontré la sagesse infiniment variée de Dieu, elle est repartie en Afrique avec quoi?
avec cette sagesse-là. Donc les Africains connaissaient le véritable Dieu. C'est pour cela, au Congo Kinshasa, avant l'arrivée des missionnaires catholiques, les Africains connaissaient déjà le Dieu d'Abraham. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Qui ne le savait pas ici? Qui veut le découvrir ça? On nous fait croire que les Africains ont connu le message, le Dieu véritable, un seul Dieu, le Dieu unique avec les missionnaires catholiques. Mais c'est faux. Moi, ma Bible me dit, avant même que Christ ne soit incarné, la reine de Séba fait partie de premiers missionnaires. Elle a découvert la sagesse infiniment variée de Dieu, Christ, qui est encore un mystère. Et Salomon lui a partagé toutes sortes de choses, lui a partagé certainement la parole, la Torah. Et quand elle est rentrée chez elle, elle est rentrée avec quoi? La Torah. Donc elle est partie, elle a présenté le message véritable aux Africains en Afrique. C'est pour cela que les Congolais prient le Nzambe Yampungu, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, avant l'arrivée de missionnaires. Ben oui. On nous a menti. Le catholicisme romain nous a apporté les statues. Des faux dieux. Alors que beaucoup de nos ancêtres africains priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour cela que la plupart des Africains, ils pratiquent la circoncision. Ils ont tenu ça d'où? Ah oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu les choses, là, mes amis là? Voilà. La reine de Séba a rencontré, c'est écrit, lisez ça chez vous, vous allez comprendre encore mieux les Écritures, mes amis, et ça va vous permettre d'être éclairé correctement. Correctement. Et donc, ils avaient prié ce Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Voilà. Parce que quand on rencontre Salomon, l'homme, à l'époque, il n'était pas encore tombé. C'était l'homme le plus sage de l'époque. Elle lui a posé toutes sortes de questions. Salomon répondait. Elle était tellement ébahie, dépassée par cette sagesse. Salomon a dû lui dire, eh ben c'est Yahweh qui me l'a donné, cette sagesse-là. Eh ben qui est Yahweh? Eh ben voilà, le message. Eh ben j'accepte. Elle repart avec Yahweh, chez elle. Elle partage tout ça avec ses serviteurs, ses servantes. Eh ben l'Afrique était remplie de cette connaissance-là. Voilà. C'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. Et d'ailleurs, pour votre information, on va vous montrer encore que ce ne sont pas d'abord les missionnaires qui sont venus avec l'évangile, parce qu'eux, ils sont venus avec un faux évangile. Hein? D'abord, on a vu qu'il y a la reine de Séba qui est revenue avec la Torah, le message véritable en Afrique. Il y a quelqu'un d'autre. Allons voir dans Luc chapitre 8. Seigneur, merci pour ton éclairage. Luc chapitre 8, à partir du verset 26, quelqu'un peut le lire? Puis ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Acte chapitre 8, pardon. L'eunuque éthiopien. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, « Lève-toi, va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » La régie, la personne qui lit. L'image, merci. Celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un eunuque, qui était l'un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, et surintendant de toutes ses richesses, venu à Jérusalem pour adorer. On nous dit ici déjà que, donc ici nous sommes 2000 ans avant, 2000 ans en arrière, et on nous parle qu'il y avait une autre femme qui était reine. De quel pays? Donc vous voyez bien qu'en Afrique, les Africains ont encouragé énormément les femmes à prendre aussi les responsabilités. Contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et là, déjà ici, nous avons dans les Écritures deux femmes qui dirigeaient l'Éthiopie. La première, c'est la reine de Séba. La deuxième, c'est, n'est-ce pas, Candace, reine des Éthiopiens. On continue. S'en retourner assis dans son char. Et lisez le prophète Esaïe. Alors je me pose la question, pourquoi ce ministre éthiopien, africain, noir, partait-il en Israël pour adorer le véritable Dieu? Eh bien, certainement parce que son ancêtre, la reine de Saba, est venue avec le message du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est pour cela, mes amis, ses descendants, notamment ce ministre, allaient chercher ce Dieu en Israël. On continue.
L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais qui racontera sa durée? Car sa vie est retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, « Je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Voilà, vous avez vu? Cet Africain, il lisait quel, il avait dans son char quel livre? Ésaïe. Quel rouleau? Comment il a eu? Il connaissait ce Dieu-là. Il cherchait ce Dieu, les Africains. Ils avaient les Écritures hébraïques. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a la preuve qui est là. Voilà. C'est pour cela que Satan a envoyé le catholicisme romain pour venir, mes amis, détourner les Africains de l'adoration du véritable Dieu avec les idoles. Je vous dis, on continue. Et l'eunuque, alors Philippe ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que tout joyeux, il continua son chemin, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Vous vous rendez compte? Alléluia, on acclame le Seigneur, mes amis, là. Alléluia. Mais vous vous rendez compte de la richesse de la parole de Dieu? Enfin, tout est dit. Hein. Regardez dans Actes chapitre 2. Regardez bien, quand l'église est née, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur fut Et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondue de ceux que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens, comment donc chacun de nous les attendons-nous parler la langue, la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie et quoi? Ah, dis à ton voisin, quand l'église est née, il y avait aussi des Africains qui étaient là. On acclame le Seigneur. Alléluia! Qui vous a dit que ce sont les missionnaires catholiques qui sont venus apporter l'évangile en Afrique pour la première fois? C'est faux! Moi, ma Bible me dit autre chose. Bah oui, les Africains connaissaient le véritable Dieu. C'est pour cela, nos ancêtres priaient le Nzambe Yampungu. Nzambe Yampungu, nos ancêtres disaient, Nzambe Yampungu, avant que les missionnaires n'arrivent, hein, Nzambe Yampungu est descendu, il s'est fait homme, il est mort à la croix pour nos péchés. Ils disaient ça? Ben oui, il y avait des Africains ici, dans Acte 2. Et c'est pas les Africains. Regardez, le territoire de la Libye, même les Libyens, les Africains libyens, sirènes. Il y avait des Juifs et des prosélytes. C'est-à-dire les Juifs et les prosélytes, c'était des gens qui avaient embrassé la foi juive. Donc il y avait des Noirs, il y avait des Africains qui étaient là, qui ont entendu parler de l'évangile, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. On nous a menti, on nous a avili avec des fausses histoires, n'est-ce pas, tronquées. Et du coup, beaucoup d'Africains ne savent même pas d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils se font. Qu'est-ce qu'ils se font en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont faire.
Mais voilà ce que la Bible nous dit, mes amis. Waouh! Qui est éclairé encore ce soir-là? Merci, Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Cette vidéo-là, partagez-la, mes amis, bien comme il faut. Au nom de Yeshua. Dieu est grand. Dieu est grand. Et les chevaux que les rois hébreux utilisaient pour la guerre, ça venait d'où? De l'Égypte, l'Afrique. De l'Afrique, mes amis. Qui a enlevé le roi Sédésias? Qui a le roi Joachim pour le remplacer par Sédésias? Un roi africain? Comme les Américains font, certains gouvernements occidentaux font, en Afrique, ils enlèvent les dictateurs, ils les remplacent par d'autres. Eh bien, les Africains faisaient la même chose avant. Ce que tu sèmes, c'est que tu récoltes. Deux rois, c'est pas moi qui le dis. La parole. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tout est écrit. Regardez bien, c'est pas moi qui le dis, hein, mes amis. Nous sommes dans deux rois. Seigneur, merci pour ta parole. Et le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Deux rois, chapitre 23, le verset 29. De son temps, Pharaon Necho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve d'Euphrate. Le roi Josias s'en alla au-devant de lui, mais dès que Pharaon le vit, il le tua. Ah, un roi africain, noir. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était, pour votre information, ça, il faut savoir, en grande partie peuplée par des noirs. Hein, ça, Libye, tout ça, il faut savoir, c'est important. Hein, parce que beaucoup de peuples arabes sont venus de l'Arabie, hein, saoudite, tout ça là, à l'époque, donc des années après. Donc là, on nous dit qu'un noir, un africain, un pharaon, hein, arrive, roi d'Égypte, hein, arrive, monte contre le roi d'Assyrie, vers quel fleuve? L'Euphrate. Et le roi Josias s'en alla au-devant de lui, donc, roi juif, hébreu, mais dès que Pharaon le vit, il le tua à Megiddo. La guerre d'Armageddon, Megiddo, Armageddon. Et là, on nous dit, ses serviteurs l'emportèrent, hein, sur un char et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'ensevelirent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, éloignirent et l'établirent roi à la place de son père. Verset 31, Joachaz était âgé de 23 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, entièrement comme avaient fait ses pères. Et Pharaon Necho l'emprisonna à Ripla. Comme nos rois, nos présidents africains sont emprisonnés à la CPI. Aujourd'hui, à l'époque, c'était nos ancêtres noirs, là en Afrique, qui emprisonnaient d'autres rois. Ils les tuaient et ils mettaient d'autres personnes à la place. Donc la roue ne fait que tourner. Vous avez vu? Dans le pays de Hamat, afin qu'il ne règne plus à Jérusalem. Donc les noirs, les rois noirs africains établissaient parfois certains rois, comme ici, à Jérusalem. Vous vous rendez compte de leur influence? Vous vous rendez compte? Et il imposa sur le pays un tribut de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Le roi Necho demande au roi de Jérusalem de lui payer un tribut. Comme certains présidents africains payent des tribus, hein, à certaines autorités occidentales. C'est la même histoire qui se répète. Verset 34. Puis Pharaon Necho établit qui? Roi Eliakim, fils de qui? Josias, à la place de Josias, son père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et où il mourut. Donc il arrive, il quitte l'Afrique, un noir, Pharaon, il arrive à Jérusalem, il prend le roi qui était là, qui était rebelle, d'abord il tue un roi, Josias, il établit un autre, il lui dit tu vas me payer un tribut maintenant, et cet argent ça va aller en Afrique. Ensuite il revient, il enlève ce roi là, il établit un autre à la place, hein?
Il change son nom. Il dit, tu ne vas plus t'appeler comme tu t'appelais avant, je change ton nom. Il prend celui qui était à la place, il l'amène en Afrique. Mes amis, tout ça, c'est écrit là-dedans. Mais beaucoup d'Africains ne voyaient pas ces choses-là, ne comprenaient pas. Donc, c'est des choses qui sont là. Et avant de prendre cette personne en ligne, le plan de Dieu pour l'Afrique, oui, Dieu veut sauver aussi l'Afrique, sauver les nations, oui, sauver l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'il faut que les Africains comprennent leur mission pour pouvoir mieux servir le Seigneur humblement et qu'on oublie les divinités que l'on nous a présentées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous avez vu que la reine de Séba, le ministre de la reine éthiopienne Candace, il y a 2000 ans de cela, avait reçu Jésus-Christ. La reine de Séba avait cru au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et d'Israël. Et ils ont amené la reine de Séba et le ministre de Candace, éthiopien tous les deux, ils ont amené la vraie foi en Afrique, l'évangile véritable en Afrique. Donc nos ancêtres priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ils avaient rencontré ce Dieu-là. Alléluia. Ils avaient rencontré l'évangile véritable, mes amis. Et Dieu dit dans Ésaïe justement, chapitre 20, il fait une promesse aux Africains. Qu'est-ce que Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 16. Ésaïe 19, à partir du verset 16. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle sera étonnée et épouvantée à cause de la main de Yahweh des armées quand il élèvera la main contre elle. Et la terre de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Quiconque fera mention d'elle en sera épouvanté en lui-même à cause du conseil décrété contre elle par Yahweh des armées. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jugeront par Yahweh des armées. L'une sera appelée ville de la destruction. En ce jour-là, il y aura un autel à Yahweh au milieu du pays d'Égypte et un monument dressé à Yahweh sur la frontière. Et ce sera un signe et un témoignage pour Yahweh des armées dans le pays d'Égypte, car ils crieront à Yahweh à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur, quelqu'un de grand, et il les délivrera. Dieu promet d'envoyer un sauveur pour délivrer qui ? L'Égypte. L'Égypte, hein, les Africains, d'accord ? Il promet un sauveur, mes amis. Il promet un sauveur. Pourquoi ? Et regardez bien. Qui est notre sauveur ? Quand il est né, qui a voulu le tuer ? Hérode. Et le sauveur s'est sauvé où ? Il s'est réfugié où ? Ah, mes amis. L'Afrique a toujours été une terre d'asile. Le Seigneur Yeshua s'est sauvé en Afrique. Vous pensez que Dieu n'est pas Dieu, mes amis, est ingrat? Non. Les Africains ont nourri Jésus-Christ enfant. Il a bu du lait des brebis en Afrique là-bas. Du lait africain. Mes amis. Il a dit quoi? Celui qui donnera un verre d'eau à un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. L'Afrique a nourri Jésus-Christ. Ouais. Alléluia. Alors, mes amis, Dieu est dans sa parole. C'est pour cela que nous réclamons notre part hein, de grâce, de bénédiction spirituelle pour que l'Afrique soit délivrée de l'ignorance, de la sorcellerie, au nom de Jésus. Jesus Christ. Oh, Dieu est dans la parole, mes amis. Et Dieu dit ceci. Et en ce jour-là, il y aura un autel à Yahweh au milieu du pays d'Égypte et un monument dressé à Yahweh sur la frontière. Dieu dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura un autel à Yahweh. C'est-à-dire qu'il y aura des adorateurs en Égypte, en Afrique. Donc vous voyez pourquoi beaucoup d'Africains chantent tout le temps. Wow. Bah oui. Dieu a révélé l'adoration aux Africains par des chants. Mais malheureusement, l'ennemi en profite pour faire n'importe quoi avec. C'est pour cela qu'il faut la restauration de l'adoration véritable. Que les chants chantent gratuitement. Que les chants soient véritablement pour la gloire de Yahweh. C'est pour cela, mes amis. Les Africains ne vont pas à l'école pour chanter, pour apprendre à chanter, pour apprendre à jouer l'instrument. C'est, ça coule, ils naissent avec ça, la musique. C'est parce que Dieu dit qu'il va y avoir un autel. Là, il est question du royaume, le royaume millénaire. Mais déjà, on voit les prémices, mes amis. Là, on voit déjà les prémices. Voyez. Et Dieu dit,
Et ce sera un signe et un témoignage pour Yahweh des armées dans le pays d'Égypte. Car ils crieront à Yahweh à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur, quelqu'un de grand. Qui est grand? Yeshua. Et il le délivrera. Et Yahweh se fera connaître à qui? Aux Égyptiens. Yahweh se fera connaître aux Égyptiens. Yahweh se fera connaître aux Égyptiens. Voilà pourquoi eh ben Dieu s'est fait... Ici, l'Égypte, c'est l'Afrique. Hein? C'est une prophétie, donc il est question de l'Afrique. Eh bien, voilà pourquoi Dieu dit à Philippe, le grand missionnaire, le grand évangéliste, lève-toi, va là-bas, là. Hein, il y a un Éthiopien qui est là-bas, là. Un Éthiopien, va là-bas. Va là-bas. Hein, va là-bas. Oh, Jésus de Nazareth, mes amis. Alléluia. Alléluia, Dieu de gloire. Et Dieu dit ceci. Yahweh se fera connaître aux Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront Yahweh en ce jour-là. Ils le serviront. Ils offriront des sacrifices et des offrandes. Et ils feront des vœux à Yahweh et les accompliront. Ainsi, Yahweh frappera les Égyptiens. Et il les frappera, mais il les guérira. Ne vous inquiétez pas, il y a une promesse. Amen. De la restauration. Parce que la guérison, c'est la restauration. Amen. Dieu nous a promis de restaurer l'Afrique. Amen. De restaurer, mes amis. Alléluia. Oh, ce peuple. Alléluia. Et ils retourneront à Yahweh, qui les exaucera et les guérira. À deux reprises, Dieu dit qu'il va guérir l'Afrique. Et en ce jour-là, il y aura une grande route de l'Égypte en Assyrie. L'Assyrien viendra en Égypte et l'Égypte en Assyrie. Et l'Égypte servira avec l'Assyrie. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. C'est-à-dire, Dieu va unir les Hébreux et, mes amis, les Égyptiens, les Africains, tout ça, ça va être le même peuple. Dieu dit, va unir et les Assyriens. Les Assyriens, aujourd'hui, mes amis, alléluia, Dieu. Vous savez, les Assyriens, on peut voir aussi, les Assyriens, à la base, sont des Araméens. Hein? Mais aujourd'hui, on peut y voir aussi ces nations arabes que Dieu va sauver. Dieu va sauver beaucoup d'Arabes. Voilà pourquoi il y a un réveil dans les pays arabes. On en parlera quand on va toucher le Maghreb, parce qu'il y a un enseignement aussi sur le Maghreb. Je crois que toute la semaine, si Dieu nous donne la force, on va parler de toutes ces nations pour que vous voyez le plan de Dieu pour les nations, mes amis. Et la bénédiction sera au milieu de la terre. Dieu promet de bénir l'Afrique, non selon la bénédiction de vos bishops, là, mes amis, qui vous demandent l'argent pour être bénis. Non, ce n'est pas cette bénédiction-là, mes amis. C'est la bénédiction que Dieu donne, c'est-à-dire Yeshua, qui est la bénédiction par excellence. Yahweh des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, mes amis. Dieu appelle les Noirs son peuple. Qui vous dit que les Noirs ne sont pas aimés par le Seigneur? Les Africains. Dieu dit les Noirs. Il y a aussi des Blancs qui sont Africains. Oui, bien sûr. Donc, tous ces Africains, là, Blancs, Noirs, Dieu dit, c'est mon peuple. C'est grâce. C'est parce qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de Blancs. Même au Congo, nous avons des députés au Congo Blancs. Hein? Je prie même que Dieu les pousse encore, qu'ils aillent encore plus loin dans leur travail pour, n'est-ce pas, restaurer le pays. Et voilà, mes amis, ça c'est magnifique. Dieu dit, l'Égypte, c'était les Noirs seront mon peuple. Waouh! La Syrie sera, la Syrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Voilà, tout est dit. Dieu a tout promis. Voilà, tout promis. Donc voilà le plan de Dieu. Dieu promet que dans le millénium, il y aura des Africains. Beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains, mon frère Serge. Tu te rends compte? Quelle grâce! Quelle grâce! Quel Dieu fidèle avant nous, frères et sœurs, qu'on ne vous mente plus. Dieu ne peut pas dire que l'Afrique est son peuple, les Africains, ceux qui sont, bien sûr, ceux qui seront, qui connaîtront Yahweh, à qui Dieu, ceux et celles à qui Dieu va se révéler. Dieu ne peut pas nous appeler son peuple tout en nous maudissant. Non! La malédiction de Cam ne nous a pas touchés, ne nous concerne pas. Oh Dieu de gloire! Qui c'est qui a porté la croix de Jésus-Christ? Simon. De quel pays? Cyrène. Cyrène, c'est où? Hein? Allons vérifier ça. Dans le lexique biblique. Seigneur, sauve-nous. Hein? Même Paul va saluer même son père. Hein? On va voir ça dans les Romains. Hein? Hmm? Oh Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique, Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez nous appeler. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? J'appelle le Lorenzo Menu, c'est James. Allô? Allô,
Bonjour, Sora. J'appelle de Londres. Mon nom, c'est James. D'où? James, j'appelle de Londres. De Londres, ok. Ok, j'ai quelques questions. Quelques éclaircissements par rapport à la parole. Premièrement, c'est juste par rapport à Ismaël, la descendance d'Ismaël. Est-ce que la descendance d'Ismaël, ce sont des Arabes? Parce que quand on voit Ismaël est de mère égyptienne, est-ce que ce n'est pas les Africains? Pas ces Arabes qu'on retrouve au Maghreb sont venus il n'y a pas assez longtemps, il y a cela, je crois, 500 siècles après. Mais par contre, avec Ismaël, ça date de longtemps. Donc, je vais juste avoir fait la première question. Et la deuxième question, c'est juste par rapport à Job. Quand on lit Job 30-30, on voit que Job avait la peau foncée. On ne comprend pas vraiment. Si tu veux plus nous éclaircir par là. Heureusement, tu as déjà parlé de Simon de Cyrène. Ça, je passe. Et quatrièmement, j'ai... On va cliquer sur Cyrène en même temps. C'est par rapport à Exode 17-7. Quand Moïse fait le miracle d'eau dans le désert et surnomme l'endroit Massa. Est-ce que ça a un rapport avec Massa à Kikongo, qui signifie l'eau? Non, c'était juste ça, quoi, mes questions. Ok, donc en fait, Ismaël, comment dire, et Agar était effectivement africaine. Donc à l'époque, bien sûr, l'Égypte était beaucoup aussi peuplée par des Noirs, enfin, l'histoire même le dit. Et Ismaël était bien sûr un métis, hein, donc un métis. Donc il est présenté aussi comme l'ancêtre des nations de certains Arabes. Pourquoi? Peut-être parce qu'il serait, il aurait peut-être épousé, selon certains, une femme arabe. Voilà. Mais en tout cas, c'était un enfant métis, dans la mesure où Agar était une africaine. Et Abraham n'était pas non plus totalement, blanc aux yeux bleus, comme on peut le présenter aujourd'hui, et tout ça. Mais par rapport à Massa, ça, j'ai lu un livre là-dessus, et je ne m'aventurerai pas là-dedans, parce que il n'y a pas vraiment de faut veiller sur l'origine, hein, la source même, hein, les sources de ces informations. Mais une chose est sûre, c'est que la langue Kikongo contient beaucoup de mots qui s'apparentent un peu à l'hébreu. Mmh. Et ça, c'est aussi une réalité, une vérité qu'on ne peut pas nier. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas étonnant, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, donc la reine de Saba a été complètement évangélisée par Salomon, et puis elle a apporté beaucoup, beaucoup de richesses spirituelles en Afrique, aux Africains. Ok. Et Job 30-30 ? Job 30 ? 30. On peut le lire là, Job 30-30, là ? Ok. Voilà. Ma peau est devenue noire sur moi et mes os sont desséchés par l'ardeur qui me consume. Voilà, c'est une expression juste pour dire qu'il était dans la souffrance à cause de son problème. Et c'est okay. Tout. Okay. Voilà, donc vous voyez la Cyrène ici. Cyrène, c'est l'ancienne ville grecque, hein, en Libye actuelle. Voilà, en Libye actuelle. Et même l'Éthiopie à l'époque, c'était l'Afrique centrale. Si tu vois les cartes anciennes d'Afrique, on retrouve l'Éthiopie comme l'Afrique centrale, quoi. C'est possible. Donc, de toute façon, comme je l'ai dit, quand on va en Afrique centrale, on voit que dans pas mal de pays africains, de toute façon, il y a beaucoup de coutumes africaines qui s'apparentent avec les traditions hébraïques. Ok. Voilà. Voilà, c'était juste ça mes questions. Merci pour l'éclaircissement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, à plus tard. Donc Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus-Christ, était un Africain. Un Africain. Voyez. Et regardez dans... je crois qu'on retrouve le passage de Simon de Cyrène, là, justement. Si vous l'avez retrouvé, là. Donc on tape seulement Simon de Cyrène. Et... voilà. Donc les soldats du gouverneur conduisent Jésus dans le prétoire. Voilà.
Ils rencontrèrent un homme appelé Simon, ils le forcèrent à porter la main. Voilà. Donc, et c'est lui, cet homme-là, qui va porter la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, c'était un Africain. Voilà. Donc, et, Dieu a un projet, un plan pour l'Afrique. Allô, bonsoir. Allô? Ah, il n'y a personne. Ok, donc j'ose croire que vous avez été encouragé, fortifié, de réaliser que Dieu n'a pas oublié l'Afrique, n'est-ce pas? Que Dieu a un projet pour ce continent et il a toujours pensé à ce continent. Et dès la Genèse, il a béni ce peuple. Et c'est pour cela que beaucoup d'Africains sont croyants. Vous voyez? Ils sont croyants. Donc, il y en a malheureusement qui croient à des divinités bizarroïdes, hein, mais il y a cette richesse-là. Voilà. Et cette capacité de pouvoir chanter facilement, d'apprendre à jouer l'instrument facilement, tout ça. Mais il faut justement que l'évangile véritable soit proclamé pour que ces talents que Dieu a donnés à ce peuple soient purifiés, soient nettoyés, soient lavés pour qu'ils servent Dieu véritablement. Donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. On a encore quelques minutes, là. Et voilà, des questions? Oui. Par rapport à l'émission d'hier. Ouais, le micro. Par rapport à l'émission d'hier, en fait, parce que je me demande, en fait... Le micro. En fait, ça m'a rappelé ce qui s'est passé avec l'Église catholique. Mm-hmm. Pendant des années, où il y en a qui se sont servis de la parole pour faire leur commerce, mm-hmm, avec les papes, tout ça. Et c'est la même chose, sauf qu'à l'époque, le peuple, il avait pas du tout accès à la parole. Mm-hmm. On voulait la garder en latin, tout ça, exprès pour qu'il soit dans l'ignorance. Effectivement. Mais et du coup, je me posais la question, est-ce que dans les pays africains, il y a un bon accès à la parole, à la Bible? Malheureusement, beaucoup de pays africains, même beaucoup de chrétiens en Afrique, n'ont pas accès à la parole parce que elle coûte très, très cher, déjà. Moi, j'ai eu un cas comme ça, où une dame me disait, mais t'es chrétienne et t'as pas de Bible, tout ça. Elle me disait, mais j'ai pas l'argent. Je lui disais, mais combien coûte ta Bible ici? Elle me disait, 5 dollars. Je lui disais, mais t'as pas 5 dollars? Elle me dit, non, j'ai même pas 1 dollar pour manger. Donc, les gens préfèrent manger plutôt que de d'acheter des Bibles. Alors, c'est pour cela qu'il faut qu'on revienne à l'évangile de la gratuité pour que tout le monde accède à la parole de Dieu. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. J'ai une toute petite question à poser par rapport au début même de l'émission, où vous avez parlé de quatre fleuves de Genèse 2. Alors, je voudrais juste savoir comment on peut situer les quatre fleuves là de Genèse 2. Peut-on aussi situer là où s'est trouvé par exemple le jardin d'Éden? Parce que il y a vraiment un grand problème de la situation géographique où s'est trouvé le jardin d'Éden. Donc on peut situer les quatre fleuves maintenant, on peut voir ça dans Genèse 2, et il y a une carte géographique qui peut le démontrer. Et maintenant, vous pouvez nous dire clairement où se situe le jardin d'Éden. Ben, ça, la localisation de ce jardin est difficile à faire, parce que je pense que Dieu n'a pas voulu notamment que cet endroit soit localisé pour éviter éventuellement l'idolâtrie. Je crois que Dieu n'a pas permis, n'a pas voulu. Et il y en a qui pensent que c'est entre le Yémen et d'autres pensent qu'entre le Yémen et l'Éthiopie et l'Égypte, tout ça. D'autres encore pensent que c'est vers l'Irak, tout ça, et le Liban. Bon, toutefois, c'est pas salutaire. Allô, n'écoutez pas votre ordinateur, s'il vous plaît. Ok, on va passer à autre chose, à quelqu'un d'autre, parce que là, la personne est en train d'écouter son ordinateur, donc il y a un décalage là, et on ne va pas s'en sortir. Voilà, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a choqué ce soir? Moi, c'est plus par rapport au passage de Jacob. Le fait qu'ils disent à Joseph qu'en fait il prenait ses enfants. Mmh. En fait, ça m'a fait réaliser qu'en fait Dieu nous faisait en fait rentrer dans la promesse, quoi. C'est ça, il nous a adoptés. Ouais.
Et en fait, c'est fort. Gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Allô. Allez-y, bonsoir, on vous écoute. Oui, je voulais simplement réagir par rapport à ce qu'on a entendu ce soir et vraiment remercier pour ces éclaircissements. J'avais lu un livre quand j'étais beaucoup plus jeune sur justement la situation africaine et ce qui se passait vraiment dans les mentalités africaines qui empêchaient justement ces peuples à sortir la tête de l'eau, sortir la tête de tout ce que tout ce qu'on a pu leur inculquer, leur donner comme héritage. Et je voulais vous remercier vraiment pour ces éclaircissements et que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Le Seigneur a dit, mes amis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc l'affranchissement de l'Afrique ne viendra que par la connaissance de la vérité qui est Yeshua. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut éduquer. C'est par l'éducation qu'un peuple est libéré. C'est par l'éducation. Ça commence dès le bas âge, comme Proverbe 22, verset 8, verset 6 le dit. Hein, instruit l'enfant à l'entrée de sa voie. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc il faut que nos assemblées enseignent le peuple de Dieu plutôt que de parler d'argent, l'argent, 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 l'argent. Recevez, recevez. Oui, j'ai 1 million pour construire mon temple. Ce n'est pas ça l'évangile. Arrêtez d'abrutir encore mon peuple, d'abrutir les enfants de Dieu avec vos évangiles, votre évangile complètement tronqué. Ce n'est pas ça le message. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. C'est Rudy, j'appelle depuis Imo. Et je voulais savoir, en fait, par rapport à tout ce que subit l'Afrique à l'heure actuelle, est-ce que cela n'est pas dû justement à la méchanceté de Nimrod qui fut vaillant chasseur devant l'Éternel? Et l'autre question, ça serait, c'est pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit souvent que Simon Kimbangu avait prophétisé justement l'arrivée d'un cinquième, d'un roi qui sera en fait, pas seulement pour le Congo, mais pour la population noire entière. Et voyons la prophétie de Daniel sur le royaume qui va casser en fait le règne de Babylone. Est-ce que c'est là un lien avec justement ces rois en question ou... Ce roi-là qui viendra n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Allô? C'est Jésus? Justement, ça sera le roi, ça sera Jésus, bien sûr. Mais dans Apocalypse, on dit que l'enfant, justement, va naître d'une femme et cet enfant sera enlevé. C'est là, en fait, que je suis un peu perdu. Mais Jésus est né. Jésus est né il y a 2000 ans, justement. Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans. Il est né d'une femme vierge. Justement. Mais justement, l'enfant qui va naître de la femme, selon Apocalypse, c'est quoi? C'est Jésus, justement. 12. Et que cet enfant qui sera enlevé, et que c'est la femme qui sera pourchassée par le dragon. C'est là en lien avec qui, justement? Parce que des fois, je suis un peu perdu. Mon frère, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il est question de Jésus-Christ ici. Jean a vu dans Apocalypse 12, il a vu ce qui s'est passé quelques années avant. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et justement par rapport à Esaïe 18, qui parle justement de fleuves au-delà de fleuves de l'Éthiopie, tout ça, un pays meurtri qui justement va devenir un pays, pas un pays, mais un contrée d'adorateurs, tout ça. Là, on l'a lu. Donc, dans le royaume, Dieu va rassembler son peuple. Il va sauver beaucoup d'Africains, comme beaucoup de nations qui se tournent vers lui. Et le roi qui vient, c'est Yeshua. Il va non seulement diriger les Africains qui croient en Jésus-Christ, mais il va aussi diriger les Européens qui croient en lui, les Chinois, les Arabes, les nations qui se convertiront au Seigneur. Ce sera pendant le millénium. Présentement, pendant le temps de l'esprit, de la grâce, et aussi pendant le millénium. Et jusqu'à l'éternité. Ah, d'accord, ok. Ben, merci seulement pour ces enseignements, parce que sincèrement, ça fait longtemps que j'ai prié, parce que j'échange avec des gens du Congo qui croient, en fait, comme ils disent, les Nzamba Bokoko. Et à chaque fois, je leur explique qu'on a été chrétien avant l'Europe. À chaque fois, ils me disent non, la chrétienté européenne est venue pour... voilà quoi. Et ça me fait plaisir que
que vous fassiez ce genre d'enseignement et ça m'aide aussi à plus à me nourrir, avoir encore plus de connaissances quoi pour les enseigner malgré le fait que voilà quoi ils ne croiront jamais parce que pour eux ils croient pas en Jésus-Christ parce que c'est la colonisation et ainsi de suite. On n'a pas été chrétiens avant l'Europe parce que quand l'Église est née il y avait aussi des Romains qui étaient là qui ont reçu le message comme les Africains pour repartir, ils sont repartis en Europe pour amener l'évangile là-bas, d'où l'épître de Paul aux Romains, comme les Africains avec les Éthiopiens, les Égyptiens. Mais par contre, oui, l'Afrique a reçu le message du Dieu d'Abraham, le message que Dieu avait révélé à Moïse, parce que la reine de Séba est allée jusqu'à Jérusalem pour prendre ce message-là. D'accord. Voilà. Justement, avant de finir, justement une dernière question. Est-ce qu'il y aura l'exode de ces Africains déportés de l'autre côté de l'Atlantique ou pas? Non, parce que quand le Seigneur va revenir, non, il n'y aura pas d'alia. Hein. Les Africains ne vont pas faire leur alia comme les Juifs font leur alia en Israël. Et selon les Écritures, non, Dieu va sauver les gens partout où ils se trouvent là. Ils vont être sauvés comme ça. Merci encore. Franchement, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est sa grâce, que Dieu soit béni. Toute la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes à rien. Oui. Vérifiez bien que ce soit bien allumé. OK. Moi, j'avais une question. Je me posais comment ça se fait que... Enfin, c'est écrit et comment ça se fait qu'on ne le savait pas pendant tout ce temps? Qu'on ne le savait pas pendant tout ce temps? Oui. Eh ben, c'est parce que le Seigneur, à chaque période, nous communique sa pensée. Mais là, le Seigneur est en train de nous parler au travers de cette parole, justement, pour réveiller les consciences. Parce que je crois que c'est le temps de la délivrance de beaucoup d'Africains dans le monde, aussi bien en Afrique que ceux qui ont été déportés ici et là pour qu'ils comprennent leur identité en Christ. Parce que tout ça, c'est en Christ que l'on retrouve ces choses-là. Pour comprendre en fait l'histoire, parce que connaître l'histoire, son histoire est capitale. Comprendre aussi d'où l'on vient et que Dieu nous a toujours aimés. C'est important pour pouvoir appréhender l'avenir. Voilà. Donc c'est le temps, parce que Dieu est un Dieu de temps. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ah, j'entends mal. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, je rends grâce au Seigneur pour cet enseignement qui, j'ai envie de dire, libérateur et vraiment très édifiant. Et comme vous disiez tout à l'heure par rapport à la roue qui tournait, c'est vrai que nous, quand on était jeunes dans la cité, on disait souvent que oui... On parlait toujours de l'esclavage des Juifs, mais que les Noirs aussi avaient souffert. Et ma question était, en fait, est-ce qu'on peut dire que l'esclavage, en fait, des Noirs est une roue, en fait, qui a tourné, justement, par rapport à l'esclavage, en fait, des Hébreux en Afrique, en fait? Oui, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, la parole est claire. Hein. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc... la roue tourne effectivement, et oui, on peut voir des choses comme ça. Mais nous croyons que le Seigneur, aujourd'hui, libère tout le monde. Hein, l'Évangile libère tout le monde. Amen. D'accord, merci en tout cas pour ces éclaircissements et bonne soirée. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que c'est un Africain qui a délivré Jérémie de la mort, qui a sauvé Jérémie de la mort? Vous ne savez pas ça? C'est un Africain, un Noir. Non, même pas là, même pas ça. Même pas ça. Ah, il y a beaucoup de choses, mes amis. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été développées. Hein. Il y a beaucoup de choses, vous savez, il faut plusieurs jours pour développer toutes ces choses-là. Donc, nous sommes, bien sûr, dans Jérémie. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit, qui nous change au nom de Yeshua. Alors, Seigneur. Oui, allô? Allô? C'est des questions, c'est une question qui n'a rien à voir avec l'émission. Jérémie 38, verset 7.
Quelqu'un peut nous le lire là? Regardez, Jérémie 38. Mais Shephatia, fils de Matan, et Gedalia, fils de Pakur, et Jukal, fils de Shelemia, et Pakur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie prononçait à tout le peuple en disant, ainsi parle Yahweh, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste. Mais celui qui sortira vers les Chaldéens vivra et sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle Yahweh, cette ville sera livrée certainement aux mains de l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi qu'on fasse mourir cet homme, car il décourage les mains des hommes de guerre qui restent dans cette ville et les mains de tout le peuple en leur disant de telles paroles. Parce que cet homme ne cherchait pas le bien de ce peuple, mais le mal. Et le roi Sédécias dit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Ils prirent donc Jérémie et le jetèrent dans la fosse de Malkija, fils de Amélec, laquelle était dans la cour de la prison. Et ils descendirent Jérémie avec des cordes dans cette fosse où il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et ainsi Jérémie enfonça dans la boue. Mais Ebed-Melech, l'Éthiopien, l'eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans cette fosse. Et le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla au roi en disant, il était capable de voir un roi. Vous vous rendez compte? Eunuque, c'est un homme assez important à l'époque. Hein? Des hommes assez importants. Ces hommes-là ont mal fait dans tout ce qu'ils ont fait contre Jérémie, le prophète, en le jetant dans la fosse. C'est l'Africain qui parle. Car il serait déjà mort de faim dans le lieu où il était parce qu'il n'y a plus de pain dans la ville. C'est pourquoi le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien, en disant, « Prends ici 30 hommes avec toi et fais remonter hors de la fosse Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Vous vous rendez compte? On n'a toujours pas été des esclaves. Hein? Voilà. De là, c'est un noir africain, un Éthiopien qui commande 30 hommes et qui va maintenant libérer Jérémie le prophète. Ebed-Melech prit donc des hommes avec lui et entra dans la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor, d'où il prit de vieux lambeaux et de vieux chiffons et le descendit avec des cornes à Jérémie dans la fosse. Et Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces vieux lambeaux et ces chiffons sous les aisselles de tes bras, au-dessous des cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Jérémie a obéi. Et ainsi, ils tirèrent Jérémie dehors avec les cordes. Et le firent remonter hors de la fosse. Et Jérémie demeura dans la cour de la prison. Voilà. Vous vous rendez compte? Et regardez la prophétie que Dieu donne à cet homme. Chapitre 39, verset 15. Or, la parole de Yahweh vint à Jérémie pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison en disant, « Va et parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je veux faire venir mes paroles sur cette ville pour son malheur et non pour son bien. » Et elles s'accompliront en ce jour-là devant toi. Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit Yahweh, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Car certainement je te ferai échapper, et tu ne tomberas pas sous l'épée, mais ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit Yahweh. Un noir, un Africain, a eu confiance en Yahweh. Donc voyez bien qu'il y a des noirs dans la Bible qui croyaient, qui priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Voilà, c'est la Bible qui le dit, mes amis. Donc, c'est pour cela que quand on parle des coutumes africaines, tout ça, les divinités africaines, tout ça, toutes ces choses sont venues après. Il y avait avant la foi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mes amis. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Dieu aime les nations, Dieu aime l'Afrique, Dieu aime l'Europe, Dieu aime les Arabes, Dieu aime les nations, les métis, tout ça, Dieu aime tout le monde. Mais ce soir, c'était l'Afrique et demain, si Dieu nous prête vie, il y aura une émission sur peut-être l'Europe. Et on va quand même faire un slide, hein, donc on va... Demain, c'est mercredi, donc je pense qu'on va pouvoir se reposer. Lundi, mardi prochain, on aura une émission sur l'Europe. Et en tout cas, on va se laisser guider, on verra. Mais, on va déjà faire un slide pour lundi prochain sur l'Europe, mardi sur les îles. Allô, bonsoir, on termine avec ce coup de fil. Allô, oui, bonsoir. Oui. Allô. Bonsoir. Bonsoir. C'est Frère Chora. Oui. Vraiment, je voulais manifester ma joie ce soir et dire merci à notre Seigneur Jésus. Il est vraiment bon, c'est le Dieu des nations. Parce que je m'inquiétais beaucoup pour la
l'Afrique. Et cette émission de ce soir me donne envie d'aller en Afrique et crier que Dieu aime les Africains. Parce qu'il y a une mode qui est arrivée à cause des maux de l'Afrique. Les Africains commençaient à se détourner du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, du retour à la parole, ils disent, ce sont les Occidentaux qui ont envoyé la religiosité, c'est pour nous endormir, et voilà, ils ont pris toute l'Afrique avec vos histoires et tout. Et aujourd'hui, ça me donne encore la force de parler de mon Dieu, et vraiment, je suis dans la joie. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et merci beaucoup, Seigneur, parce que j'avais mal. Je me disais, et quand j'entends ça, je dis, oh Seigneur, et dans les temps qui vont venir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur. Tu nous as dit que ça va être encore de plus en plus dur. Regarde le langage. Et quand ce sera encore plus dur, ce sera comme ils vont se détourner carrément de toi. Et là, avec ce message-là, ça me donne encore envie de crier pour dire que Jésus ne nous a pas abandonnés et ce qu'on voit, c'est pas la promesse de Dieu. Vraiment que toute la gloire lui soit rendue, mon cœur dans la joie. Je voulais vraiment vous le dire. Gloire à Dieu et que Dieu bénisse l'Afrique, amen, toutes les nations africaines. Amen. Au nom de Yeshua, à bientôt, mes amis. Merci. Au revoir.